Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour améliorer le bouclier. Alors tout d'abord, rendez-vous sur la droite de cette map et vous voyez qu'il y a des logos sur les piliers. Et en fait, à chaque hauteur, vous avez un défi différent. Je suis en solo, donc il y a un seul pilier d'actif. À 2 joueurs, vous en aurez 2. À 3 joueurs, 3. Et à 4 joueurs, bien évidemment, les 4 piliers seront actifs. Chacun des joueurs pourra avoir un seul pilier et chacun des défis. Voilà, donc après, c'est parti, vous devez remplir vos 3 défis chacun. Donc moi je devais tuer 20 zombies sous l'eau, je devais respirer avec une spore sous l'eau et je devais manger un fruit. Donc bien évidemment pour améliorer le bouclier, il faudra auparavant posséder le bouclier. Pour construire le bouclier, je vous mets le lien du tuto qu'on a fait hier. Il sera en description de la vidéo. Donc là vous voyez, j'ai rempli mon premier défi. Attention, si vous manquez des zombies aussi, j'ai une petite astuce, tout simplement. Vous allez queuter les cocons dans lesquels se trouvent les zombies pour fabriquer le pack à punch là. Et du coup, ça va vous en faire spawn. Vous les ramenez ici, vous les tuez sous l'eau tranquillement. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement tué mes 20 zombies sous l'eau. Et mon troisième défi est donc de manger un fruit. Alors pour ceux qui ne savent pas comment avoir un fruit, il y a un tuto aussi qui est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez obtenir un atout en fait tout simplement dans ce fruit. Donc là vous voyez j'ai obtenu un atout. Le tuto pour obtenir un atout gratuit via un fruit est dans la description de la vidéo. Voilà. Une fois que vous avez donc rempli vos 3 défis, vous pouvez tout simplement retourner à la colonne. Alors là, il faut savoir aussi que la colonne vous donne des récompenses. Par exemple, pour le premier défi réalisé, vous aurez des munitions. Pour le deuxième défi réalisé, vous pourrez avoir donc un fusil à pompe qui va s'élever directement du centre des colonnes. Et pour le troisième défi, vous allez voir une bouteille sortir, donc la bouteille d'un atout. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas un bug. En fait, grâce à cette bouteille, vous allez pouvoir acheter un cinquième atout. Ça vous permettra d'en porter 5. Vous avez pu voir que puisque j'ai fini mes défis, il y a de l'orage des fois, il y a des éclairs qui tombent au niveau ici, donc du centre des colonnes. Et vous allez voir qu'en fait, il faut tout simplement prendre son bouclier. Donc vous appuyez sur la flèche du bas et vous le portez bien devant vous. Et vous allez voir que lorsque la foudre va tomber, eh bien mon bouclier va devenir électrique. Et voilà, on a donc amélioré le bouclier. Alors, il faut savoir que ce bouclier ne va pas durer toute la partie, bien évidemment, il peut se casser, il est plus solide que le bouclier de base. Cependant, il faudra donc recommencer l'étape et aller récupérer l'éclair à chaque fois que vous allez récupérer un nouveau bouclier. Par contre, c'est vraiment très efficace. Quand vous allez taper un zombie avec, bien évidemment, ça va vous permettre de débloquer le trophée correspondant. Il y a un trophée qui est donc de tuer un zombie avec le bouclier électrique, voilà. Et il faut savoir également que ce bouclier électrique va servir pour le secret et va servir pour l'amélioration de l'arme 4T4. Je vous prépare la vidéo, elle va arriver dans pas très longtemps, les potes. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!